n'a pas été révélé au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant à des héritiers, les prophètes, les apôtres. Il dit, c'est pour ça que je fléchis genoux devant le Père, afin que vous puissiez comprendre quel est le mystère du don de Dieu, le mystère de la grâce de Dieu. Seigneur, je prie aussi pour ton peuple, afin que chacun puisse avoir la révélation, connaître la révélation du mystère de ton amour, du mystère du don de Dieu, afin d'ouvrir son cœur à toi et de s'approcher de toi sans retenue. Il y a beaucoup de retenue dans les cœurs, Seigneur. Alors que je suis en train de prier, il y a beaucoup de retenue dans les cœurs. Il y a beaucoup de réserve dans les cœurs. Il y a des personnes qui ne sont plus vraiment convaincues, Seigneur. Et la parole de Dieu déclare que tu confirmais ta parole, la parole de tes apôtres, par des signes et des prodiges que tu accomplissais par le même. Père, je prie à la plénitude de Dieu, car Dieu est amour. Et tu m'as fait comprendre, Seigneur, que le plus grand niveau de la connaissance, c'est la connaissance de ton amour. Parce que si nous ne connaissons pas ton amour, nous ne pouvons avoir ta plénitude. Et ce n'est pas ta plénitude que nous pouvons avoir accès aux bénédictions spirituelles que nous as réservées, que tu nous as réservées dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Seigneur, je prie, opère un miracle dans les cœurs. Seigneur, je prie, répands ton amour dans les cœurs. Revêt à chacun, Seigneur, ton amour. Revêt ton amour, Seigneur. Convainc chaque cœur en ce qui concerne ton amour. Je prie, Seigneur, ta parole déclare que tu es amour. Alors, si tu es amour, Seigneur, manifeste-toi. Que l'esprit de l'amour se meule. Seigneur, ton esprit, c'est l'amour. Tu es amour. Seigneur, visite les cœurs. Seigneur, visite les cœurs. Les cœurs endurcis. Les cœurs que les autorités et les principautés dans les lieux célestes ont endurcis. Les cœurs qui ne veulent plus vraiment s'approcher de toi, qui ne sont plus ton amour à l'apôtre Paul. Il a dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère. Seigneur, je prie maintenant, reviens encore. Reviens encore, Seigneur. Beaucoup de tes enfants, Seigneur, se tiennent éloignés parce qu'ils n'ont pas connaissance de ton amour, de ce mystère de ta grâce. Parce qu'ils n'ont pas connaissance, Seigneur Jésus, de ton grand amour qui s'est manifesté. Père, je prie, réponds encore cet amour. Convainc-nous de cet amour, car tu es amour et tu nous aimes. Père, je prie, pendant que ta parole va sortir, que chacun, Seigneur Jésus, puisse être convaincu, que chacun puisse être éclairé et que les esprits puissent encore se réjouir en toi et s'approcher de toi, Seigneur. Nous ne voulons plus recevoir ta grâce en vain. Nous ne voulons plus mépriser ta grâce. Nous voulons plutôt profiter de ta grâce et rester attachés à ta grâce, Seigneur. Répands ton amour. Répands ton amour, Seigneur. Répands ton amour dans les cœurs. Que chacun reçoive ton amour. Que chacun puisse goûter de ton amour, Seigneur. L'Écriture dit, si vous avez goûté et vu que le Seigneur est bon, rapprochez-vous de lui. Seigneur, fais-nous goûter ton amour. Seigneur, fais goûter ton amour à chaque cœur. Fais goûter ton amour. Fais goûter ta bonté, Seigneur. Fais goûter ta bonté, Seigneur, à chaque cœur. Fais goûter ta bonté à chaque cœur. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme des orphelins. Nous ne voulons plus rester comme des orphelins, comme des personnes qui n'ont pas de père. Seigneur, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais tu nous as donné l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Seigneur, laisse que ton amour témoigne ta présence dans nos cœurs. Reveille combien, Seigneur, tu nous aimes. Reveille combien tu nous aimes. Tu es là, Seigneur, plus rien n'est vrai. Chantez un peu ce cantique avec moi.
le Seigneur est là, plus rien ne nous effraie. Quand tu es là, quand tu descends, nos vies sont transformées. Quand tu descends, nos vies sont transformées. Les aveugles le voient, les sourds entendent, la stérile en face est toi. Les aveugles le voient, les sourds entendent, la stérile en face est toi. Car tu es amour.
ton esprit. C'est pourquoi Esprit de Dieu, move. C'est pourquoi Esprit de Dieu, move. Et convainc les cœurs. Et convainc les cœurs. Reviens-toi à chaque cœur ce matin. Reviens-toi à chaque participant ce matin. Reviens-toi, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui se posent des questions. Et si Dieu m'aimait vraiment? Il y a des gens qui ne sont plus prêts, Seigneur, à s'ouvrir à toi. À s'approcher avec assurance du trône de grâce. Parce qu'ils ne comprennent pas ton amour. Il y a des gens qui se retirent et se cachent parce qu'ils ont peur de s'approcher. Ils te considèrent comme un maître dur. Ils n'ont pas connu, Seigneur, la profondeur de ton amour. Mais aujourd'hui, nous voulons que tu reviennes. Nous voulons que tu reviennes et que tu nous enseignes dessus afin que nous puissions nous approcher avec assurance de toi. Parce que c'est là seulement que nous pouvons avoir la plénitude des dieux. C'est ça, Seigneur, le plus haut niveau de la connaissance. Connaître l'amour de Dieu nous amènera à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À être remplis de Dieu, car Dieu est amour. Et si tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas demander à Dieu. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas croire. Même si on te le dit, il y a des dimensions que tu ne pourras pas espérer atteindre. Il y a des choses que tu ne pourras pas espérer manifester. Et que tu te concentres sur tes efforts. Et que tu penses que c'est par toi-même que tu pourras faire quelque chose. Non, c'est l'amour de Dieu. La bénédiction spirituelle que Dieu nous a réservée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est important que tu ouvres ton cœur à l'amour de Dieu. Et que tu croies à l'amour, à la bonté du Seigneur. À la patience du Seigneur. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui du mystère de sa grâce et de son don. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. Amen. Assieds-toi. Jésus t'aime. De voir ce mot est devenu jusqu'à un slogan, un mot de passe, et nous ne pouvons pas, souvent nous ne comprenons pas les profondeurs de ce mot, Jésus t'aime. Nous avons l'habitude de le dire, Jésus t'aime, Jésus m'aime, mais des fois nous ne comprenons pas les profondeurs de cette affirmation. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu connaisses le mystère de sa grâce et de son don. C'est pourquoi le thème, l'amour figure le mystère de la grâce et du don de Dieu. Tant que l'homme aura peur de s'approcher de Dieu à cause du péché, il s'enfoncera davantage dans le péché. Or, c'est la plénitude de Dieu qui nous transforme totalement et nous donne l'image de Dieu. Alléluia. Et la plénitude de Dieu vient par la connaissance de l'amour de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous dire que le plus haut degré de la connaissance que je dois avoir, c'est la connaissance de l'amour de Dieu. Parce que si tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne peux rien faire avec Dieu. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne peux même pas t'approcher de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Adam avait péché.
et il a fui la présence de Dieu à cause de la culpabilité et d'un sentiment de rejet qui s'est introduit en lui et surtout inspiré par le diable qui l'a poussé à tomber dans le péché. Si tu te disposes vraiment, tu vas comprendre beaucoup de choses dans ce message et tu seras délivré de certaines racines qui te maintiennent encore loin de la présence de Dieu et qui te convainc que tu as raison de te retirer de la présence de Dieu parce que tu as péché, que tu as raison de fuir la présence de Dieu parce que tu as péché. Si tu disposes ton esprit en tant que homme sage, prudent, conscient et responsable, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas comprendre que ce message n'est pas donné pour t'amener à la légèreté, à la négligence, mais au contraire, ce message va t'amener à pouvoir bénéficier de la grâce, des privilèges que le Seigneur t'a réservé. Alléluia. Tant que tu auras peur de t'approcher de Dieu à cause du péché, tu t'enfonceras davantage dans le péché. Ce que tu dois savoir, c'est la plénitude de Dieu qui nous transforme totalement et nous donne l'image de Dieu. Gloire à Jésus. Colossiens chapitre 3, le verset 10. Beaucoup de personnes n'ont pas le courage de s'approcher de Dieu. Et d'autres se demandent, est-ce qu'il me recevra? Est-ce qu'il m'acceptera? Et d'autres regardent la mission ou bien les promesses de Dieu et se disent, est-ce que Dieu m'accordera vraiment cela? J'ai péché. Mes péchés sont nombreux. Est-ce que Dieu m'utilisera encore? Est-ce que je vous ai dit ici, lorsque Naomi, la belle-mère de Ruth, est retournée dans sa patrie après 10 ans d'exil. Elle a dit, appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a accablé de beaucoup de détresse. Comment vous pouvez encore m'appeler Naomi? Appelez-moi Mara, qui me dit amertume, désespoir, douleur, parce qu'elle ne croyait plus en l'amour de Dieu. Et elle se disait que désormais, son nom est amertume. Désormais, son nom est la rejetée, la repoussée. Il y a beaucoup de personnes qui, même de façon inconsciente, ont pris ce statut-là, ont adapté ce statut-là. Et ne sont plus vraiment convaincus qu'ils peuvent s'approcher de Dieu et faire quoi que ce soit avec Dieu. Alléluia. Lis Colossiens 3, 10. Je vais vous dire. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Et tu commences à dire, ne mentez pas les uns aux autres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se transforme dans la connaissance, en l'image de celui qu'il a créé. Lorsque nous avons été baptisés avec Christ, nous avons participé en sa mort et en sa résurrection et nous avons été revêtus d'un homme nouveau, ou bien nous avons revêtu un homme nouveau qui en réalité n'est pas encore
atteint l'image parfaite de celui qui l'a créé. Parce que celui qui a créé l'homme nouveau en nous, c'est Christ. Pourquoi? Parce que c'est en son baptême, c'est en sa mort et en sa résurrection que nous sommes liés avec lui. Nous sommes liés avec lui par sa mort, par sa résurrection. Et qui permet à l'homme nouveau de se renouveler, c'est la connaissance. Alléluia. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Donc nous devons comprendre que l'homme nouveau que nous avons reçu à la nouvelle naissance a besoin d'être transformé. Et c'est par la connaissance que cet homme nouveau est transformé en l'image de celui qui l'a créé. Éphésiens 4, verset 24 nous dit que au verset 23 d'abord, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En d'autres termes, la justice et la sainteté sont produits par la vérité. Or, nous connaissons le fameux verset de Jean 8, 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc l'homme nouveau se renouvelle et se transforme par la connaissance de la vérité. Colossiens dit que l'homme nouveau se renouvelle à l'image de celui qui l'a créé par la connaissance. Donc, au fur et à mesure que nous accédons à la connaissance, l'homme nouveau que nous avons reçu à la nouvelle naissance se renouvelle pour atteindre l'image de celui qui l'a créé. Ici, on nous dit que la justice et la sainteté sont produits par la vérité. Ça veut dire que tant que nous sommes privés de la vérité, l'homme nouveau qui est créé selon Dieu ne pourra pas atteindre la justice et la sainteté. Nous avons reçu un homme nouveau, mais nous n'avons pas encore atteint la perfection. C'est pourquoi Paul va dire dans l'île de Philippiens 3 aussi, frère, je ne peux pas dire que j'ai déjà atteint ma perfection. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis comme ça en train de poser le fondement afin que vous puissiez vraiment comprendre la pensée du Seigneur. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom? Toute famille, dans les cieux sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis de celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. À cause de cela, je fléchis
les genoux devant le Père. L'apôtre Paul est en train d'adresser une lettre aux Éphésiens. Et quand il dit à cause de cela, vous savez qu'en réalité, il y a quelque chose qui s'est passé bien avant. Parce que les Éphésiens à la base étaient des païens, un peuple païen, c'est-à-dire des non-juifs. Et lorsque Paul, par révélation, a eu connaissance de l'amour de Dieu, du mystère de la grâce de Dieu, il a remarqué la conception que les païens avaient de Dieu. Et il a compris que ces gens ne sont pas prêts à recevoir l'amour de Dieu, à accepter l'amour de Dieu. Ces gens se voyaient comme des personnes rejetées par Dieu. Autrefois, ils n'avaient pas de droit de cité en Israël. Autrefois, ils n'étaient pas appelés peuple de Dieu. Autrefois, ils marchaient selon le train du prince de l'esprit de l'air, de celui qui habite dans les fils de la perdition. Et ils marchaient selon les convoitises de leurs pensées. Et ils savaient qu'ils n'ont pas de droit de cité en Israël à cause de leur vie abominable étant séparée de Dieu. Et nous allons nous rendre compte qu'à un moment, même les Juifs n'avaient pas l'audace ou bien ne connaissaient pas le privilège qu'ils ont de s'approcher de Dieu parce qu'ils n'avaient pas connaissance de ce mystère. Et lorsque Dieu a envoyé son fils Jésus pour révéler ce mystère, beaucoup de personnes n'étaient pas prêtes à l'accepter à cause de la position qu'ils avaient d'abord vis-à-vis de Dieu. Et cette position à cause de leur péché et à cause des principautés, des autorités dans les lieux célestes qui leur convainquaient qu'ils ne peuvent pas être acceptés de Dieu et qu'ils sont rejetés. Alléluia. Et quand Paul prêche aux Éphésiens, il parle du mystère de Dieu. Nous allons avancer et vous allez comprendre. Mais avant, j'ai pris ça par de la fin avant de vous faire comprendre le début. Alléluia. Par la sagesse que le Saint-Esprit m'a communiquée, je crois que comme ça, vous allez mieux comprendre. Alléluia. Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Paul fléchit les genoux devant le Père, pourquoi? Parce qu'il se rend compte que si nous, ou bien si les païens, selon leur origine, ne comprennent pas et ne sont pas prêts à accepter l'amour de Dieu, c'est que nous connaissons la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de son amour. Et que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur par la foi. Alléluia. Mais Dieu veut cela, mais il ne peut pas vraiment faire des choses avec nous si nous ne sommes pas ouverts et si nous n'avons pas compris et si nous n'avons pas accepté l'amour qu'il a de nous. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme si tu sors et tu rencontres un étranger qui commence à te dire qu'il t'aime et qu'il va faire des affaires avec toi, il va te confier des choses, ainsi de suite. Mais toi, tu le regardes, tu celui qui sort d'où. Est-ce c'est vraiment possible? Alléluia. Est-ce c'est vraiment possible? Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu. Même s'il est sérieux, toi, tu vas te poser des questions, mais depuis quand, comment est-ce que cela peut arriver? Amen. Qu'est-ce qu'il a trouvé de bon en moi? Est-ce qu'il est même sûr que je pourrais faire tout ce qu'il est en train de dire? Donc c'est ça, même le problème de l'Église actuelle. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire avec Dieu tant que nous n'avons pas compris les profondeurs de son amour pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque nous lisons Éphésiens 2, le verset 10, la parole dit que nous avons été créés pour les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Or, nous n'avons même pas connaissance des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Dieu nous a appelés à faire des choses extraordinaires, des choses que nous-mêmes, nous ne croyons pas que nous pouvons faire. Mais Dieu connaît les capacités qu'il a mises en nous avant la fondation du monde, avant de nous envoyer sur la terre. Amen.
C'est pourquoi quand il envoie Moïse à l'Égypte pour délivrer le peuple, Moïse dit non, je ne peux pas. J'ai pas la parole facile. Mais Dieu, avant de le choisir, savait qu'il est capable d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait préparé à l'avance pour ça. Ça veut dire, nous sommes préparés, Dieu nous a préparés à l'avance pour les bonnes œuvres, pour que nous pratiquions. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été préparés pour les bonnes œuvres que Dieu a réservées, afin que nous les pratiquions. Mais nous, à cause du fait que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu, souvent même quand le Seigneur veut agir, nous refusons. Nous sommes encore renfermés. Nous nous disons, non, comment est-ce possible? Est-ce que je peux vraiment faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut vraiment m'utiliser? Est-ce que Dieu peut vraiment m'accepter? Est-ce que je peux vraiment m'approcher de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre. Paul est déjà en train de convaincre les Éphésiens qu'en réalité, toutes les familles qui sont sur la terre et dans les cieux viennent de Dieu. Amen. Les Éphésiens-ci sont encore, je ne sais pas comment dire ça, ils ont encore des limites, ils se retiennent encore. Ils ne sont pas prêts à accepter tout ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Vu leur situation, vu ce qu'ils ont vécu dès le début, dès leurs origines, à cause de tout ça, ils sont embrouillés. Ils se disent que non, ils ne sont pas le peuple de Dieu, comment Dieu peut les aimer ainsi? Mais l'apôtre Paul a dit que le Seigneur tire son nom, toutes les familles qui sont sur la terre et dans les cieux. Donc, tous ils viennent de Dieu. Alléluia. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié. Dieu veut. L'apôtre Paul, la prière de l'apôtre Paul, c'est que les Éphésiens soient fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Parce que lorsqu'ils se regardent et ils regardent Dieu, ils sont prêts à fuir. Ils sont prêts à se retirer en arrière. Lorsqu'ils considèrent la grandeur de Dieu et qu'ils se regardent, ils se disent non, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Non, nous ne pouvons pas faire telle ou telle chose. Mais Paul prie, il fléchit les genoux devant le Père pour que ces païens soient fortifiés dans leur homme intérieur par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je prie aussi que le Seigneur te fortifie dans l'homme intérieur par son esprit. Tout ça, c'est pour que tu puisses considérer et accepter l'amour que Dieu a pour toi et accepter les grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Et que tu puisses croire en cela. Gloire à Dieu. Parce que sans ça, tu ne peux vraiment pas faire quelque chose, faire quoi que ce soit avec Dieu. C'est ça que nous pensons à ta vie passée, aux choses que tu as faites, des péchés qui ont été trouvés en toi, et tu as dit non, certainement, le Seigneur me rejette. Certainement, le Seigneur ne me considère pas. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu au verset disait, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Voici toutes les prières que l'apôtre Paul est en train de faire pour les Philistins, pour les Éphésiens. Parce que Paul, par révélation, a connu les profondeurs de l'amour de Dieu, a connu le mystère de la grâce de Dieu. Et il dit que cela n'a pas été révélé aux hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux prophètes et aux apôtres de Christ. Donc lorsqu'ils ont reçu cette révélation, même pour transmettre ça aux païens, bien que ce soit aussi l'héritage des païens, mais les païens n'ont pas connaissance de cet héritage. Et ils ne peuvent pas posséder cet héritage quand ils n'ont pas connaissance de cela. Et pour cela, Paul fléchit les genoux, il prie, il intercède. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur,
la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En réalité, Paul est en train de leur faire comprendre que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Parce que c'est en connaissant l'amour de Dieu que vous pouvez être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, en réalité, vous allez toujours vous retirer de Dieu. Vous allez toujours avoir des sentiments de culpabilité. Vous allez toujours croire que Dieu ne pourra pas vous accepter, que Dieu ne pourra pas travailler avec vous. Il est question pour nous aujourd'hui de comprendre quel est l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu, et de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Peu importe le niveau de connaissance que tu as, si tu ne connais pas la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, devant certaines choses, tu vas te retirer en arrière. Il y aura des choses, tu vas croire que non, ici, tu ne pourras pas. Alléluia. Mais quand tu as confiance en l'amour de Dieu, tu pourras accepter librement parce que tu connais son amour pour toi. Or, l'Écriture nous fait comprendre que Dieu est amour. C'est pourquoi la connaissance de l'amour de Dieu est vue ici comme le plus haut niveau de la connaissance. Alléluia. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, même si on t'explique les mystères de Dieu, tu vas comprendre mais tu ne vas pas croire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, on va t'expliquer les mystères de Dieu, des choses. Mais tu vas comprendre, c'est-à-dire, tu vas écouter, mais tu ne vas pas croire, tu ne vas pas accepter. Tant que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Parce que c'est ça qui ouvre la porte de toute connaissance. C'est ça qui est le degré le plus élevé de la connaissance. Ça peut être un peu banal, mais l'Écriture nous dit que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et tout ce que Dieu fait au milieu de nous, c'est par son amour. C'est par son amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si tu crois aujourd'hui que tu t'es repenti de tout péché et que tu vis une bonne vie devant Dieu, mais sache que c'est par l'amour de Dieu que tu es arrivé au niveau où tu es aujourd'hui. C'est pas parce que tu étais trop fort ou bien quoi que ce soit, ou bien trop obéissant. Même si tu es obéissant, c'est par amour. C'est parce que Dieu t'aime et t'a donné cette capacité. Alléluia. Et nous savons que la conséquence de l'amour, c'est le donner. Amen. C'est pourquoi le fameux verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Et nous parlons de donner qui est par action et avec vérité. Je crois que c'est 1 Jean 3, 18. Oui, il dit, petit enfant, n'aimez pas en parole, mais aimez par action et surtout avec vérité. Or, le don qui est par action et avec vérité. Gloire à Dieu. Or, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est que Dieu t'a donné de faire. Et si Dieu t'a donné de faire, c'est parce qu'au préalable, il t'a aimé. Parce que le donner, c'est la conséquence de l'amour. Lorsqu'on aime, on donne. Amen. Maintenant, ce que l'apôtre Paul veut, c'est que les gens soient convaincus de cet amour, de l'amour que Dieu a pour eux. Il est très important de connaître l'amour de Dieu pour toi. Parce que si tu ne connais pas l'amour de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas t'amuser à t'avancer. Il y a des choses que tu ne vas pas croire que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne vas pas accepter de la part de Dieu. Même si Dieu parle de l'héritage, on parle de l'héritage des saints de la lumière, toutes les richesses que Dieu nous a réservées dans les lieux célestes. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras, si tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas demander cela. Et il y a des personnes maintenant qui demandent certaines choses par religion. Alléluia. Par routine.
Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et tant que tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas croire que ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Amen. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas croire que ce que tu demandes, Dieu peut te donner. Et certaines personnes n'osent pas demander parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut donner. Pourquoi ils ne croient pas que Dieu peut donner? C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Le donner, c'est la conséquence de l'amour. Et souvent, tu te limites toi-même parce que tu n'as pas la connaissance totale de l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne crois pas que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses que tu ne crois pas que Dieu peut faire. Il y a des choses que tu ne crois pas que Dieu peut te donner simplement comme ça. Amen. Moi, je pose une question. Si Dieu, par amour, a donné son fils, qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner par son amour? Qu'est-ce que Dieu sera incapable? Parce que toutes les bénédictions, toutes les richesses dans les lieux célestes sont en Christ. Et si Dieu nous a donné Christ, ça veut dire que par ce même amour, nous avons accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et je m'avais choqué quelqu'un, j'ai dit tout à l'heure que ce message, c'est pour les personnes responsables et conscientes. Alléluia. La semaine passée, j'avais dit ici que, amen, mais c'est que à cause de ton attitude, il sait que en jeûnant, tu auras la foi qu'il peut te donner. Et comme tu jeûnes, tu te dis oui, j'ai jeûné, maintenant je crois que Dieu peut me donner. En réalité, même si tu n'avais pas jeûné et que tu avais ce niveau de foi là, je t'aurais donné. Mais comme c'est seulement le jeûne qui peut susciter en toi la foi, Dieu te permet de jeûner. Et quand tu as fini de jeûner, tu auras la foi. Et tu vas dire, j'ai fait 3 jours à 7. Donc Dieu va me donner. Je crois. Amen. J'ai fait 1 semaine à 7. Je crois. En réalité, le but du jeûne, c'est d'élever notre esprit vers Dieu. Ce n'est pas le jeûne qui pousse Dieu à nous donner quoi que ce soit. Amen. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous donne des choses gratuitement. Mais souvent, Dieu ne nous donne pas parce que nous ne sommes pas disposés et par notre caractère ou bien par notre pensée, quand Dieu nous regarde, il ne voit pas en nous la responsabilité. Il ne voit pas en nous, c'est-à-dire des personnes faites, des personnes responsables, des personnes capables de pouvoir garder sérieusement et jalousement les choses qu'il nous donne. C'est pourquoi il y a certaines choses que Dieu ne donne pas. Mais si tu penses que c'est parce que tu t'as beaucoup jeûné, tu t'es beaucoup mortifié, que le Seigneur te donne, tu as tort. Parce que en vérité, c'est que le jeûne te permet de monter vers le Seigneur, de te disposer et de devenir concentré, ainsi de suite. Et là, tu pourras faire les affaires avec Dieu. Je suis en train d'essayer de te dire que si tu as la capacité de le faire, même sans jeûne, tu vas voir que Dieu va te donner certaines choses. Et c'est pourquoi tu vas voir des personnes jeûner et prier pour certaines choses, elles ne reçoivent pas. Et elles sont dépassées qu'à côté d'eux, il y a des gens qui n'ont pas jeûné, mais Dieu leur a donné. Ceci relève de la responsabilité et de la maturité. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, si par le jeûne, tu peux devenir responsable et mature, Dieu va donc te donner par le jeûne. Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Et malheureusement, lui-même, il n'a pas jeûné de prier. Gloire à Dieu. Ou bien il a brisé le protocole.
Mais quand les disciples disent, comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon, le Seigneur dit, grâce d'écriture, jusqu'à quand moi je vais vous supporter. Donc en réalité, le problème des disciples, c'était l'incrédulité. Ce n'était pas que les disciples n'ont pas jeûné et prié. Mais maintenant, comme le Seigneur le connaît, le Seigneur sait qu'en jeûnant et en priant, ils auront la foi. Et il a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. Mais en réalité, si vous avez la foi, comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Si vous avez la foi, alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas dit, si vous jeûnez et priez, vous direz à la montagne, ôte-toi. Mais maintenant, à cause du fait que nous sommes un peu comme ça, bon, le Seigneur sait qu'en jeûnant et en priant, nous aurons la foi. Parce que toi, tu as mis ta foi dans le jeûne et la prière que tu as fait. Et maintenant, tu auras la foi. Et tu as dit, même si c'est le diable, maintenant il va sortir. Parce qu'il est jeûné, il est prié. Alléluia. Mais ce que le jeûne et la prière ont fait, c'est que ça t'a donné juste la foi. Alléluia. Jésus, lui n'a pas jeûné, n'a pas prié, et il a dit au démon, sors. Mais il dit à ses disciples que ce genre d'esprit-là, ce n'est pas le jeûne et la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il est important que nous connaissions, ou bien que nous connaissions l'amour de Dieu. Parce qu'en connaissant l'amour de Dieu, nous pouvons atteindre la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner ce que tu demandes? Amen. Soit dans tes prières, tu dis, si elle demande 50 000 à Dieu, c'est trop. Si elle demande 5 000, il peut me donner. Amen. Mais si elle demande 50 000, il ne va pas me donner, c'est trop. C'est trop demandé. Or, l'Écriture dit, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Mais comment est-ce que tu vas demander si tu ne connais pas l'amour de Dieu? Or, Dieu donne parce qu'il nous aime. Maintenant, ce qui nous empêche de demander, c'est que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. On a entendu parler, mais on ne connaît pas. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre sur nous-mêmes, ou bien dans notre intimité, on a peur de s'approcher de Dieu. Il y a certaines choses qu'on n'ose pas dire à Dieu. Il y a des choses qu'on ne croit pas. Alléluia. Et de fois, tu as commis même une faute, mais tu ne crois pas que Dieu peut te pardonner. Et à cause de cela, tu restes dans la culpabilité. À cause de cela, tu ne veux plus t'approcher de Dieu. Mais j'ai dit, tant que tu vas te retirer de Dieu parce que tu as peur, à cause du péché, tu as commencé, tu as sombré dans le péché. Alléluia. David dit que de tomber entre les mains de l'ennemi, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Parce qu'il va me châtier avec compassion. David dit ça pourquoi? Parce qu'il a connu l'amour de Dieu. Et il sait que Dieu ne va pas se livrer à la totalité de sa colère. En réalité, ses entrailles vont encore frémir. Lorsqu'il va châtier à un niveau, allez, c'est quand même David. Amen. C'est quand même mon peuple. Et c'est pourquoi souvent, quand tu as péché, le diable te fait croire qu'il est mieux de te retirer. Il te fait croire que Dieu ne te comprendra pas. Mais en réalité, son objectif,
c'est qu'il veut que ce péché-là demeure, parce que tant que j'ai connaissance. Gloire à Dieu. L'homme veut se renouveler par la connaissance. Amen. Moi, j'ai eu à expérimenter l'amour et la bonté de Dieu. Parce que des fois, j'ai commis des choses que moi-même, quand je regarde, je me juge moi-même digne de l'enfer. Vous savez, quand Absalom voulait revenir en Israël après qu'il ait tué son frère, il a dit à Joab, il faut que je revienne devant mon père et s'il y a quelques injustices en moi, qu'il me tue. Absalom est bien conscient qu'il y a de l'injustice en lui. Pourquoi? Parce qu'il a tué son frère. Chose qui est très grave. Mais il dit, je vais revenir devant lui, devant mon père. S'il y a l'injustice en moi, qu'il me tue. Il fait ça pourquoi? À cause de la connaissance qu'il a de l'amour de son père. Et il sait que son père ne le tuera pas. C'est la même chose. Amen. Et lorsqu'il est venu, David a dit, ok, qu'il vienne, mais qu'il ne voie pas ma face. Il est quand même venu. 2 ans plus tard, il a dit, ça me sert à quoi de rester en Israël sans voir la face de mon père. Et il a manifesté le désir d'aller vers son père. Malgré tout ça. Et David, il est venu et son père l'a embrassé. Gloire à Dieu. Dieu est pour nous un père. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Amen. Dieu est pour nous un père. Croyez en son amour. Croyez en son amour. Alléluia. Amen. Et tu me dis, ah, malgré tout ce que j'ai fait là, avec tout ce que j'ai fait là, oui, avec tout ça, Dieu t'aime. Ce qu'il veut de toi, c'est que tu reviens avec un cœur sincère, comme quelqu'un qui a pris conscience. Alléluia. Il ne se lasse pas de pardonner. Mais si tu décides de te retirer et de te mettre en arrière parce que tu as péché, ou bien si tu penses que tu vas pouvoir même t'infliger des peines, des douleurs à cause de tes péchés, tu serais en train de blasphémer l'œuvre de la croix. Vous savez pourquoi Saül ce qu'il a fait? Hein? Il a voulu payer lui-même pour ce qu'il a fait. Que je t'explique. Quand Judas a livré Jésus et qu'il a vu que les gens ont mis la main sur Jésus pour le détruire, la Bible dit qu'il s'est répandu. Et il est retourné vers les principaux sacrificateurs pour dire, j'ai livré le sang innocent. Et il allait remettre l'argent. Ils n'ont pas pris. Ils ont dit, ça t'engage. Maintenant, Judas, il est dans la confusion et il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai voulu réparer le dommage, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour se sentir soulagé et justifié, il est allé seul. Voilà la raison pour laquelle Judas est allé en enfer. Il a voulu payer lui-même. Gloire à Dieu. Toi, il y a des personnes, lorsqu'ils ont commis une erreur, d'autres ils vont aller forcer le poteau jusqu'à avoir le sang. Il est genou devant le Père. Parce que bien que j'ai reçu la révélation, je partage, mais les gens ne sont pas prêts à comprendre. Les gens ne sont pas prêts à accepter que Dieu soit aussi bon.
Les gens ne sont pas convaincus de cette bonté incompréhensible. La parole parle des richesses incompréhensibles de Christ. Les choses, quand tu veux essayer de comprendre, tu ne comprends pas. Alléluia. Les choses que tu veux essayer de comprendre, tu ne comprends pas. Ce sont des choses que pour les hommes, même quand tu as allé faire 10 ans en prison et ressorti, amen. On va te considérer comme un monstre. C'est pourquoi l'Écriture parle des richesses incompréhensibles de Christ. C'est-à-dire, c'est une science qui est au-delà de notre portée. On ne comprend pas. Et c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on ne veut pas croire. Il y a des personnes qui ne veulent pas croire que Dieu leur a pardonné simplement comme ça. Ils veulent avoir subi des peines, des choses terribles et horribles avant de croire que Dieu les a pardonnés. Parce que là, ils pourront dire que bon, avec tout ce que j'ai... Non. Amen. Tu ne vas pas être sauvé parce que tu as trop souffert sur la terre. Tu vas être sauvé parce que tu as connu l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as connu l'amour de Dieu? Et c'est quelque chose qui est difficile pour certaines personnes à comprendre. Lorsque nous revenons au verset 1 de Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, à cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Regarde le mystère dont l'apôtre Paul est en train de parler. Regarde le mystère, c'est que les païens sont participants. Gloire à Dieu. Les païens participent aux disciples. Vous savez, nous parlons de l'amour de Dieu, mais nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Nous ne savons pas à quel point Dieu peut nous aimer. Souvent, nous, chacun a placé l'amour de Dieu, c'est-à-dire dans un moule, quelque chose comme ça. Chacun a donné une limite bien fixée à l'amour de Dieu. Nous parlons de l'amour de Dieu, mais nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est-à-dire l'amour de Dieu. Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes, depuis la chute de Adam, ont cru que l'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Alléluia. Et ils ont inculqué cela dans l'homme par la culpabilité, par l'esprit de l'accusation. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire comprendre par l'Église à cette présentée établie dans les lieux célestes des richesses
incompréhensible de Christ et la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que le diable même était convaincu que par la chute d'Adam, Adam sera pour toujours déchu et l'humanité sera pour toujours déchue. Et c'est pourquoi eux, ils ont chanté victoire. Mais Dieu voulait faire comprendre aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais pour cela, il faut que l'Église accepte d'abord les profondeurs de l'amour de Dieu. Il faut que l'Église soit consciente de l'amour de Dieu pour pouvoir se tenir devant les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes et révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. C'est-à-dire depuis la chute d'Adam, les principautés, les dominations dans les lieux célestes, eux-mêmes étaient convaincus que l'homme ne pourra plus jamais retrouver sa place auprès du Seigneur. Et ils ont inculqué cela dans l'homme par l'accusation et par un sentiment de culpabilité. Et ça fait que depuis Adam, Adam s'est retiré de la présence de Dieu. Et il ne croyait pas en l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi Adam ne s'est pas approché de Dieu avec un cœur repentant? Il cherchait un peu à se justifier parce qu'il croyait par là diminuer l'ardeur de la colère de Dieu. Il ne savait pas qu'en s'humiliant, en acceptant de se repentir, Dieu pouvait le pardonner. Parce qu'en ce moment, il regardait Dieu déjà comme quelqu'un qui vient se venger. Et c'est pourquoi il a essayé de bien arranger les choses pour que Dieu ne soit pas trop en colère. Donc Dieu, de fois on essaie de s'écarter, de fois on essaie de peindre un peu le péché pour que ça soit un peu agréable, compréhensible et acceptable. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Il faut qu'on vous révèle ça aujourd'hui pour que vous compreniez. Soit tu fais ça, tu ne sais pas que tu fais ça parce que tu es ignorant de l'amour de Dieu. Et tu ne sais pas qu'en te présentant, en venant au Seigneur pour dire, me voici, il va t'accepter. Tu te dis, le Seigneur est prêt à détruire. Il faut que je fuisse. Or, tu ne sais pas qu'en fuyant, tu tombes dans le piège de l'ennemi qui veut t'inculquer une culpabilité. Donc, lorsque nous ne connaissons pas l'amour de Dieu, nous allons toujours nous enfoncer. Nous allons toujours fuir Dieu. Nous allons toujours regarder Dieu comme quelqu'un qui est prêt à se venger, à nous détruire, à nous saccager, ainsi de suite. Nous allons regarder le Seigneur comme un bourreau. Or, Dieu n'est pas comme ça. Il dit, il ne dédaigne pas un cœur contrit, un cœur qui s'humilie. Amen. Il ne garde pas une éternelle colère quand devant lui tombe en défaillance les âmes qu'il a fait. C'est-à-dire, quand une âme tombe en défaillance devant le Seigneur, peu importe la gravité de son crime, le Seigneur est prêt à pardonner, à le relever. Alléluia. Amen. Mais ce qui fait problème, c'est que nous ne connaissons pas le Seigneur de cette manière. Parce que le diable aussi nous a fait croire que le Seigneur va nous détruire. Alléluia. Amen. Amen. Et certaines personnes ne sont pas donc prêtes à avouer leur faute devant le Seigneur, à venir. Regardez la femme à la perte de son. Lis-nous Matthieu chapitre 9, verset 18 à 21. Matthieu 9, 18 à 21.
Matthieu chapitre 9, le verset 18 à 21. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des pillages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva. Tu lis quoi? Matthieu 9, c'est ça? Oui, Matthieu 9. Verset 18. À partir du verset 18, ok. Tandis qu'il les adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte, il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et il s'adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosternait devant lui et dit, ma fille est morte, il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Gloire à Jésus. Alléluia. Voyez la situation de cette femme, la femme à la perte de sang. C'est-à-dire, sa situation est arrivée à un niveau où on n'appelait pas son problème. Femme à la perte de sang. La parole ne prenait pas son nom. Donc certainement, en Israël, tout le monde appelait femme à la perte de sang. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a vu Jésus? La Bible dit que elle se disait en elle-même que si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Amen. Si je touche seulement, je serai guéri. À sa place, quelqu'un d'autre aurait dit, si je prends une semaine de jeûne à sec, et il prie pour moi, franchement, ou bien il me met dans un programme de prière, ainsi de suite, je pourrais guérir. Et quand Jésus se tourne vers cette femme, Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. En réalité, cette femme avait cru en l'amour de Dieu. Et elle connaissait l'amour de Dieu. Parce que vu sa situation, normalement, de telle femme ne devrait pas être au milieu des gens, selon la loi d'Israël. Les gens qui ont la perte de sang sont comme des personnes, on dit ça comment? Mais l'Écriture dit que cette femme disait en elle-même que malgré sa situation d'impureté, malgré que les hommes ne peuvent pas me toucher, parce que dans cette situation, si quelqu'un la touche, il devient automatiquement impur jusqu'au soir. Regardez la gravité de la situation et comment la femme a été fortifiée par la foi. C'est ce qu'apôtre disait aux Éphésiens. Afin que vous soyez fortifiés par la foi, afin que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur par l'esprit, et que vous croyez. La femme à la perte de sang a cru. Et le Seigneur dit, ta foi t'a guéri. Parce que tu as cru en l'amour de Dieu. Or, c'est dans l'amour de Dieu que se trouve la plénitude. Même le don de la guérison se trouve dans l'amour de Dieu. Parce que c'est par amour que Dieu donne. C'est par compassion que Dieu donne. Chaque fois que Jésus guérissait les gens, on dit, il fut frappé de compassion. Alléluia. Donc la femme a cru en l'amour de Dieu, et elle a dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et elle a approché par derrière, elle a bravé les regards des hommes qui étaient là, et elle a touché le vêtement de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle croyait en l'amour de Dieu.
Quand tu n'as pas connu l'amour de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas poser. Parce que tu te diras que c'est impossible. Mais c'est dans l'amour de Dieu qu'on est en contact avec la plénitude de Dieu. C'est en connaissant l'amour de Dieu que les choses deviennent claires dans notre tête. C'est en connaissant l'amour de Dieu que nous avons confiance en Dieu et que nous pouvons nous approcher de Dieu avec. On ne peut pas le comprendre. Avez dit, elle m'a touché. Et quand le Seigneur s'est tourné, elle a dit, fortifie-toi, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Mais cette foi venait du fait qu'elle connaissait l'amour de Dieu. Par contre, lorsque nous regardons l'histoire de la femme samaritaine, dans le livre de Jean chapitre 4, que tu vas lire, à partir du verset 4 aussi. Vas-y rapidement. Jean chapitre 4 à partir du verset 4. Mm-hmm. Comme il fallait, il passa par la Samarie. Mm-hmm. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mm-hmm. La femme samaritaine lui dit, mm-hmm, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritaines. Avec pardon. Amen. Voyez, l'intervention de la femme samaritaine attire mon attention. Le Seigneur dit, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? En réalité, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc voilà la conception qui est dans sa tête. Pourquoi? Parce que les Samaritains étaient considérés comme des pécheurs. Et à cause de ça, les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains. Et c'est pourquoi, quand Jésus demande à boire à cette femme, en réalité, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais dis ce que le Seigneur répond. Verset 10. Jésus lui répondit, amen, si tu connais le don de Dieu, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, amen, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire. Et il t'aura donné de l'eau vive. Alléluia. La réponse de Jésus est très intéressante. Si tu connaissais le don de Dieu, pourquoi cette femme est en train de rappeler à Jésus que les Samaritains, en réalité, n'ont pas de relation avec les Juifs? Parce qu'elle, elle est consciente que les Samaritains sont regardés comme des pécheurs et les Juifs sont regardés comme des justes. Mais Jésus lui dit que malgré cela, Jésus n'a pas contesté. Alléluia. Parce que c'est une affirmation vraie. Mais Jésus n'a pas contesté. Il a toi-même demandé. Alléluia. Maintenant, la femme, dans sa position, si elle ne croit même pas que le Seigneur peut accepter ce qui vient d'elle, comment est-ce qu'elle peut oser même demander à Jésus? Donc la femme, dans sa conception, vu sa situation, elle ne conçoit même pas que Jésus peut accepter quelque chose qui vient d'être. C'est pourquoi il dit, mais comment toi qui es juif, tu demandes à boire à une femme samaritaine? Tu as oublié que Jésus est une pécheresse et que les juifs sont des justes. Comment tu peux demander à une pécheresse à boire alors que toi tu es juif? Mais Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, ce paradis,
paradigme-là ne devait pas être dans ta tête. Cette conception-là devait être quittée. Si tu connaissais le don de Dieu. Oh, j'ai dit tout à l'heure que le don vient de l'amour. Donc en disant si tu connaissais le don de Dieu, il est en train de dire que si tu connaissais l'amour de Dieu, car Jésus-Christ étant le don de Dieu est la conséquence de l'amour que Dieu a eu pour le monde. Et Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Or le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais l'amour de Dieu, tu auras droit de me demander. Et en demandant, je t'aurais donné de l'eau de vie, pas seulement cette eau que tu bois ici. Parce que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus soif. Mais cette eau deviendra une source qui coule en lui juste dans l'éternité. Mais le problème de cette femme, c'est qu'elle ne connaît pas. Or, l'amour de Dieu s'est déjà disposé à... Et pourquoi Jésus-Christ s'est approché de cette femme, bien qu'elle soit samaritaine? Parce que Jésus sait qu'il est le don de Dieu pour tout le monde. Mais quelqu'un ne pourra pas accepter le don de Dieu s'il ne connaît pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si on t'apporte peut-être un présent venant de moi et que tu n'es pas conscient de l'amour que j'ai pour toi, tu ne pourras pas prendre. Surtout si le présent est considérable. Alléluia. Surtout si le présent est considérable. Vous ne comprenez pas? Alléluia. Écoutez. Si par exemple, amen, quelqu'un vient chez toi, voilà. Quelqu'un vient chez toi, il dit, voici 5 000 de la part du pasteur. Le pasteur a dit que je te donne 5 000. Tu peux prendre, je ne sais pas trop ce qui est arrivé, mais bon, certainement. Alléluia. Mais si quelqu'un vient avec 1 million, il dit, voici, c'est de la part du pasteur. C'est pas possible. Amen, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc la femme samaritaine ne conçoit pas que Jésus qui est juif peut même recevoir de l'eau à boire venant d'elle. Pour dire donne-moi à boire, c'est qu'elle est d'abord dépassée. Mais Jésus, au-delà de ça, lui dit que si tu connaissais le don de Dieu, tu allais toi-même demander. Donc tu n'allais même pas laisser que moi je te demande, mais toi-même tu allais demander. Parce que quand tu connais l'amour de Dieu, tu es capable de demander les choses qui dépassent l'entendement des hommes. Et avec la foi que Dieu peut te donner. Pourquoi? Parce que tu connais les profondeurs de son amour. Alléluia. Amen. Pour qu'un enfant puisse demander à son père quelque chose de cher, il faut que l'enfant ait connaissance de l'amour que son père a pour lui. Mais si l'enfant n'a pas connaissance de l'amour que son père a pour lui, il ne pourra pas s'hasarder à demander quoi que ce soit. Donc souvent nous ne demandons pas et nous n'osons pas demander parce que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Alléluia. Tu auras même demandé. Tu auras demandé des grandes choses. Alléluia. Mais souvent, à cause de ton ignorance, tu ne demandes pas grand chose. Et tu n'aspires pas aux grandes choses. Et tu te dis que le Seigneur ne pourra pas aller loin avec toi. Mais que tu nous parles des richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Peu importe ce que tu peux connaître de Dieu, l'amour de Dieu est au-delà de ça. Et quand tu connais l'amour de Dieu, tu peux aller loin avec Dieu. Alléluia.
Parce que quand tu connais l'amour de Dieu, tu es conscient que Dieu peut investir en toi des choses extraordinaires. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Or, vous savez que Dieu fonctionne sous le principe de la foi. Parce que, selon Hébreux 12, il est le consommateur de la foi. Donc, peu importe les choses que Dieu a en réserve pour toi, si tu ne connais pas son amour et si tu n'as pas foi en cet amour, tu ne pourras pas expérimenter. Ça sera des richesses désolées, comme j'ai souvent l'habitude de dire. Il y a des richesses désolées. C'est-à-dire des richesses qui ne profitent pas à la personne à qui cela est touché. Alléluia. Nous allons finir avec le cas de Pierre dans le livre de Luc chapitre 5. Il y a aussi un cas intéressant. Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génazareth. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bout du lac deux parts, où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur peau et enseigner la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons de leur filet, et leur filet se remplit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils s'emplirent les deux barques, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils firent cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Parce que je suis un homme pécheur. Car les pouvoirs l'avaient saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était le même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez aussi l'attitude de Simon. Simon, souvent, lorsque certaines personnes lisent ce passage, ils ne comprennent pas à cause de la ressemblance qui est entre pécheur, c'est-à-dire celui qui pratique la pêche, et pécheur, celui qui commet le péché. Alléluia, la pêche. Il est en train de dire que moi, je commets les péchés. Alléluia. Quand il dit Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis pécheur, certaines personnes lisent ça, ils ne comprennent pas que Pierre est en train de dire qu'il y a le péché en moi. Donc, aucun pense que Pierre est en train de dire au Seigneur que ma profession c'est la pêche. Alléluia. Or, vous comprenez bien, quand Jésus s'est approché de la part de Pierre, il a prêché, jusqu'ici il n'y avait pas de problème. Jusqu'ici, Pierre était relax. Il a dit à Pierre d'éloigner un peu la barre pour aller au milieu de la mer, il a obéi, il n'avait pas de problème. Mais quand Pierre a vu la pêche miraculeuse, il a vu la grâce de Dieu, le don de Dieu, il a dit, mais tiens, faut te retirer de moi, moi je suis pécheur, donc tu ne peux pas faire de telles choses avec moi. Est-ce que tu as vu que je suis pécheur, que je suis, il y a du péché en moi, il y a de l'abomination en moi. Comment est-ce que tu peux faire un qui n'avait pas encore compris l'amour de Dieu? Et il n'avait pas encore compris que malgré sa situation, Dieu l'aimait et voulait l'aider. C'est pourquoi Dieu l'aimait. Ce n'est pas en ce moment-là que Dieu voulait faire de lui pécheur d'homme, mais Dieu a fait de lui pécheur d'homme avant de l'envoyer sur la terre.
mais seulement les principautés, les dominations dans les lieux célestes, comme on a vu tout à l'heure, ont inculqué en lui l'accusation et la culpabilité. En sorte que Pierre n'était plus conscient de son identité. Et il n'était plus conscient des choses que Dieu voulait faire avec lui. Pour Pierre, il dit à Jésus que il sera préférable pour toi de me quitter, de me laisser. Parce que toi, tu es saint. En accomplissant un tel miracle, je comprends que tu es saint. Il n'y a pas de péché en toi. Mais en moi, il y a du péché. Donc on ne peut pas fonctionner ensemble. Pour ton bien, il faut te séparer de moi. Pour ton bien, il faut t'éloigner de moi, de peur que je ne te contamine. Alléluia. Mais l'amour de Dieu dit à Pierre que ne t'inquiète pas, moi je vais faire de toi pécheur d'homme. Alléluia. En fait, je vais te transformer. J'ai la capacité de te donner une autre identité. En connaissant l'amour de Dieu, tu seras transformé jusqu'à la plénitude de Dieu. Mais si à cause de ta situation actuelle, tu dis, il faut que je me sépare, il faut que je m'éloigne. En réalité, c'est pour sombrer dans le mal. Gloire à Dieu. En réalité, c'est pour sombrer dans le mal. Et c'est la même chose que la femme samaritaine a fait. Elle disait, non, il n'est pas possible qu'un juif demande à boire à un samaritain. Tu ne vois pas que si je te donne de l'eau, ça peut te souiller. Alléluia. Mais Jésus dit non, au contraire, si tu connaissais le don de Dieu, tu allais demander une eau qui va te purifier pour l'éternité, qui sera en toi une source d'eau vive. Et la femme a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. La femme a commencé à être convaincue de l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment que le Seigneur a commencé à traiter la situation du péché qui était en elle. Lorsque le Seigneur dit, maintenant va, et appelle-moi ton mari. Cette femme avait déjà confiance en Jésus-Christ et elle pouvait maintenant dire à Jésus, je n'ai point de mari. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai point de mari. Parce que en ce moment-là, Dieu lui avait déjà prévu son amour pour elle et la femme avait cru en son amour. C'est pourquoi maintenant elle était ouverte au Seigneur. Alléluia. Donc, sache que peu importe ce dans quoi tu t'es trouvé, si tu reviens, comme je crois que tu l'as fait, le Seigneur est encore prêt à t'ouvrir les portes de son amour. Mais à toi de croire, parce que le Seigneur, la porte est toujours ouverte. Mais souvent, c'est nous, à cause de notre mentalité, nous refusons d'accepter l'amour de Dieu. Nous refusons d'accepter, nous refusons de croire, parce que nous voulons toujours considérer notre situation. Nous voulons toujours considérer le mal que nous voulons, que nous avons fait, en oubliant le sacrifice de Jésus. Mais si tu portes les regards sur le sacrifice de Jésus, lorsqu'il regardait le serpent, il guérissait automatiquement. Amen. Et dans le livre de Jean, la Bible dit de la même manière, le Fils de l'homme sera levé et levé afin que tous ceux qui regardent en lui aient la vie éternelle. Alors, c'est le temps de cesser de regarder à tes faiblesses, mais regarder à celui qui a été pendu pour toi. Gloire à Dieu. Et pour cela, il faut que tu acceptes et que tu considères la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que sans ça, tu ne pourras pas avoir la plénitude de Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'ils vont se retirer jusqu'à être meilleurs avant de pouvoir être acceptés par Dieu. Tu ne pourras pas. Alléluia. Tu ne pourras pas. Tu te dis souvent qu'il faut que je me retire, que je sois d'abord meilleur. Et là, Dieu pourra m'accepter. Mais c'est Dieu qui peut te rendre meilleur. Lorsque tu te retires, c'est pour devenir pire. Alléluia. Lorsque tu te retires, c'est pour devenir pire. Lorsque tu n'as pas confiance en l'amour de Dieu, c'est pour devenir pire. Mais lorsque tu connais l'amour de Dieu et que tu te rapproches de Dieu, en réalité, le Seigneur peut te transformer en un coup. Il a dit à Pierre, ne crains pas, car je vais faire de toi pécheur d'homme. Mais Pierre, pour lui, ce qui était important, pour lui, ce qui était raisonnable, c'est que le Seigneur se retire de lui à cause de sa situation de péché.
Mais Jésus connaissait ses péchés avant même de s'approcher de lui. La même manière avec la femme samaritaine, Jésus connaissait qu'elle est samaritaine avant de s'approcher de lui. Alors ta situation n'est pas étonnante pour le Seigneur. Mais si le Seigneur te tend la main, c'est parce qu'il est prêt à te décharger et te donner une autre vie. Il faut que l'homme nouveau qui est en toi se renouvelle par la connaissance jusqu'à atteindre l'image de celui qui l'a créé, savoir le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais te lever et on va faire une petite prière. Beaucoup comme Pierre pensaient qu'il est nécessaire que Dieu s'éloigne de lui, que le Seigneur se retire eux-mêmes. Mais si aujourd'hui tu as compris l'amour de Dieu, tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, tel que je suis, je m'abandonne à toi. Tel que je suis, je m'abandonne à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Je sais que tu as la capacité de me transformer. Comme la femme à la perte de sang, malgré la situation, je m'approche, je viens à toi. Je compte sur ton trône de grâce. Je compte sur ta grâce. Par moi-même, je ne peux rien faire, mais je compte sur ton trône de grâce. Sinon, ton sang versé pour moi, et ta voix dit ma paix à toi, Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je viens, je viens. Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris la profondeur de ton amour. Je suis. J'ai compris que si je n'ai pas connu ton amour, arriver à la plénitude. Je ne peux pas arriver en possession des richesses incompréhensibles de Christ. Ce n'est que par la connaissance de l'amour de Dieu que je pourrais demander les richesses incompréhensibles. Que je pourrais demander les choses extraordinaires. La femme samaritaine de Père, elle ne connaissait pas l'amour de Dieu. Ce qui me permettra de m'approcher du trône de grâce avec assurance.
question. Si l'Église connaît l'amour de Dieu pour arriver à la plénitude de Dieu, c'est là les principautés, les dominations dans les lieux célestes connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu viens de me révéler que si je connais l'amour de Dieu, je pourrais recevoir gratuitement de l'eau de vie. Alors Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Seigneur Jésus.